Nécroscope par Brian Lumley. 12e partie. Le jeudi matin, Harry retourna à la rivière à l'endroit où sa mère reposait de nouveau, emprisonnée dans la boue et les herbes aquatiques. Mais désormais, ils étaient deux à cet endroit, et il était venu pour parler à Victor Chouchkine, et non pas à sa mère. Il prit un coussin dans la voiture, l'emporta jusqu'à la berge et le posa sur la neige épaisse avant de s'asseoir, ses genoux serrés entre ses bras. En contrebas de l'endroit où il était assis, la glace était reformée et la neige s'était déposée là où il avait creusé le trou pour s'échapper, dont il ne restait plus désormais qu'un vague contour. Après s'être assis en silence un moment, il dit « Beau-père, est-ce que vous m'entendez ?»« Oui. Oui, je t'entends, Harikéov. Je t'entends et je sens ta présence. Pourquoi ne pars-tu pas et ne me laisses-tu pas en paix ?»« Faites attention, beau-père. » Ma voix est peut-être la dernière que vous entendrez jamais. Si je pars et vous laisse en paix, qui vous parlera alors? C'est donc cela ton don, hein? Tu parles aux morts. Tu es un agitateur de cadavres. Eh bien, je veux que tu saches qu'il me fait mal comme tous les dons et espées me font mal. Mais la nuit dernière, pour la première fois depuis bien des années, j'ai reposé dans ce lit glacial et j'ai dormi profondément sans éprouver aucune douleur. Qui me parlera désormais? Mais je ne veux pas que quiconque me parle. Je veux la paix. Que voulez-vous dire? Par ça me fait mal. Comment ma simple présence peut-elle vous faire mal? Chouchkine le lui dit. Et c'est pour cette raison que vous avez tué ma mère? Oui. Et c'est pour cette raison que j'ai essayé de te tuer. Mais dans ton cas, cela aurait peut-être également servi à me sauver la vie. Et il parla à Harry des hommes que Borovitz avait chargés de le tuer, Dragozani et Batou. Ce n'était pas suffisant pour Harry, il voulait tout savoir, depuis le début jusqu'à maintenant. Et Chouchkine s'exécuta. Il lui parla du château de Bronitsy, des ESP russes qui, dans leur tanière secrète au cœur de l'URSS, travaillaient à la conquête du monde grâce à l'ESP. Il lui raconta comment Borovitz l'avait envoyé en Angleterre pour trouver et tuer les ESP britanniques et comment il avait choisi la liberté et était devenu un citoyen de ce pays. Il lui parla de nouveau de la malédiction qui le poursuivait, de la souffrance que représentaient pour lui les personnes douées d'ESP, qui lui mettaient les nerfs à vif et le rendaient fou. Harry arrivait à comprendre Chouchkine, et il aurait presque pu avoir pitié de lui s'il n'y avait pas eu sa mère. Tandis que Chouchkine parlait, Harry pensa à Sir Kenan Gormley, au service E britannique, et il se souvint qu'il lui avait promis d'aller le voir et peut-être de rejoindre son groupe quand toute cette affaire serait réglée. Eh bien, elle était réglée à présent, et désormais Harry savait qu'il devait aller voir Gormley. Car Victor Chouchkine n'était pas le seul coupable. Il y en avait d'autres infiniment pires que lui. Par exemple, celui qui l'avait chargé de cette mission meurtrière. Si Chouchkine n'était pas venu en Angleterre, la mère de Harry serait toujours en vie. Finalement, Harry s'estima satisfait. Jusqu'à maintenant, sa vie avait en grande partie semblé son but. Sa seule ambition avait été de tuer Chouchkine. Mais à présent, il savait qu'il y avait quelque chose de bien plus important que cela, et brusquement, il se sentit tout petit au vu de la tâche qui l'attendait. « Très bien, beau-père. Je vais vous quitter maintenant et vous laisser en paix. Mais vous n'en méritez pas tant. Je ne peux pas vous pardonner, je ne le ferai d'ailleurs jamais. »« Je ne veux pas de ton pardon, Harikéov. Juste ta promesse que tu me laisseras tranquille ici. Et tu m'as fait cette promesse. Alors pars maintenant. Va te faire tuer. Et laisse-moi. » Harry se mit debout avec raideur. Chaque os de son corps le faisait souffrir sans oublier sa tête, et il se sentait complètement vidé, dénué de toute force. En partie sur le plan physique, mais principalement sur le plan émotionnel. C'était le calme après la tempête. Et aussi, bien qu'il ne puisse encore le savoir, l'accalmie avant une autre tempête, bien plus terrible. Une fois levé, il se secoua, laissa le coussin où il était dans la neige et rebroussa chemin vers sa voiture. Derrière lui, et pourtant avec lui, une voix dit dans son esprit « Au revoir, Harry. » « Au revoir, maman. Et merci. Je t'aimerai toujours. » « Quoi ? Quoi, Keof ? Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai vu la ressusciter. Mais... » Harry ne répondit pas. Il laissa Marie Keof le faire à sa place. « Salut, Victor. Non, tu te trompes. Harry ne m'a pas ressuscité. Je l'ai fait toute seule. » Par amour, une chose que tu es incapable de comprendre. Mais c'est terminé maintenant, je ne le referai plus.
À présent, mon Harry a d'autres personnes qui veillent sur lui, alors je vais juste reposer ici, seul, dans la boue. Excepté que je serai peut-être moins seul aujourd'hui. Keof, tu m'avais promis. Tu as dit que tu étais le seul à pouvoir me parler, mais elle me parle maintenant et elle me fait atrocement mal. Harry continua à marcher. Allons, Victor. Cela ne t'avancera à rien. Tu as dit que tu voulais la paix et la tranquillité. Oh, mais tu en auras très vite assez, mon cher Victor. Keof, il faut que tu me sortes de là. Déterre-moi, dis-leur où trouver mon corps, mais ne me laisse pas ici avec elle. En fait, Victor, je crois que je vais prendre plaisir à parler avec toi. Tu es si près de moi ici que ça ne demande presque aucun effort. Keof, espèce de salaud, reviens. Oh, je t'en prie. Reviens. Mais Harry continua à marcher. À 13h30, Harry était rentré à Hartlepool. Les routes avaient été un véritable cauchemar, recouvertes de neige compacte durant plus de la moitié du trajet, et il avait conduit les nerfs à vif. Cela n'avait servi qu'à le vider encore plus de ses forces. Quand il arriva enfin chez lui, il parvint tout juste à se traîner jusqu'en haut de l'escalier. Brenda, sa femme depuis 8 semaines, était radieuse et s'occupait avec entrain de l'appartement, lequel avait subi une métamorphose incroyable et inexplicable depuis qu'elle était venue vivre ici après leur mariage civil. Elle était enceinte depuis au moins 3 mois, mais s'épanouissait déjà. Harry, lui aussi, avait été en forme la dernière fois qu'elle l'avait vu, mais à présent, le contraste était saisissant. Il réussit tout juste à faire l'effort de l'embrasser sur la joue et s'endormit quasiment avant que sa tête soit posée sur l'oreiller. Il était parti 3 jours afin d'effectuer des recherches, elle le savait, pour le nouveau livre qu'il projetait d'écrire. En quoi ces recherches consistaient-elles et où exactement comptait-il les effectuer, il n'avait pas pris la peine de le lui dire. Eh bien, c'était Harry tout craché, et elle devrait s'y faire dorénavant, mais elle n'était pas habituée à le voir revenir dans cet état. On aurait dit qu'il venait de passer 3 jours dans un camp de concentration. Il dormit tout l'après-midi, et comme il semblait avoir de la fièvre, elle appela le docteur qui arriva vers 20h. Harry ne se réveilla même pas. Le docteur estima que c'était peut-être une pneumonie, bien que les symptômes ne correspondent pas tout à fait. Il laissa à Brenda des comprimés et des recommandations et son numéro de téléphone. Si l'état de Harry s'aggravait au cours de la nuit, notamment si sa respiration devenait irrégulière, ou s'il commençait à tousser, ou encore si sa température montait de façon notable, Brenda devrait l'appeler immédiatement. Mais l'état de Harry demeura stable, et le matin suivant, il fut à même de prendre un petit déjeuner frugal, à la suite de quoi il engagea avec Brenda une conversation singulière et circonspecte qu'elle fut consternée de trouver aussi déprimante et morbide que toutes celles qu'elle avait eues avec lui durant des périodes sombres ou moroses qui avaient précédé leur bonheur. Elle l'écouta un moment, mais quand il se mit à parler de faire un testament où il lui laissait tout, ou bien leur enfant dans le cas où elle serait dans l'impossibilité d'en faire usage, elle réagit par un grand éclat de rire. Harry, je sais que tu as probablement attrapé un virus et que tu te sens abattu, et je sais aussi que lorsque tu as le cafard, tu as l'impression que c'est la fin du monde, mais réfléchis. Nous sommes mariés depuis 8 semaines seulement, et on dirait que tu t'attends à mourir avant le printemps. Et moi, peu de temps après. Je n'ai jamais rien entendu de si ridicule. Voilà, 1 semaine, tu étais plein de vie, tu faisais de la natation, du judo, du patin à glace. Alors qu'est-ce qui te préoccupe maintenant ? Il décida alors qu'il ne pouvait pas se taire plus longtemps. De toute façon, elle était sa femme maintenant, et elle était en droit de savoir. Il la fit s'asseoir près de lui et lui raconta tout, à l'exception de son rêve avec les pierres tombales, et bien sûr, la mort de Viktor Shushkin. Il présenta ses activités sportives intensives de ces derniers mois comme un simple moyen de s'assurer de sa bonne condition physique en vue de son prochain travail, qui pouvait très bien se révéler dangereux, ce qui l'amena à parler de l'organisation E-Britannique, mais de façon succincte. C'était déjà bien assez qu'elle sache qu'il n'était pas la seule personne à avoir un ton étrange, et qu'il y en avait en fait beaucoup d'autres, et que certaines puissances étrangères dressées contre le monde libre ne daignaient pas utiliser de tels dons pour lui nuire. Une partie du travail de Harry au sein de l'organisation consisterait à faire en sorte que ces puissances étrangères n'atteignent pas leurs objectifs. Son don de nécroscope serait utilisé comme une arme contre elles, c'est pourquoi l'avenir semblait au mieux incertain. Cette histoire de testament et le reste étaient uniquement l'expression de cette incertitude. Il pensait qu'il valait mieux se préparer à toute éventualité. Alors qu'il lui disait tout cela en évitant soigneusement de se montrer trop précis, il se demanda s'il ne commettait pas une erreur, s'il n'aurait pas été préférable de la laisser complètement dans l'ignorance. Il s'interrogea aussi sur ses propres motivations. Se confiait-il vraiment à elle afin de la préparer à... quoi ? Ou bien avait-elle raison en disant qu'il se sentait déprimé et avait besoin de partager ce poids avec quelqu'un ? Ou bien, une fois encore, était-ce lié à un sentiment de culpabilité ?
Il avait une ligne de conduite à suivre maintenant et il devait s'y tenir. La partie était loin d'être terminée. Chouchkine n'avait été qu'un pas hésitant dans la bonne direction. Ressentait-il ce trouble parce qu'il avait choisi une direction qui mettait Brenda en danger ? L'épitaphe dans son rêve, l'avertissement de sa mère, n'avait pas dit que la mort de Brenda était la conséquence de ce que Harry allait faire. Il l'avait effectivement mise enceinte, oui, ce qui donnerait lieu à une naissance. Mais comment la ligne de conduite qu'il suivait désormais pouvait-elle avoir une influence sur la réalité de la naissance elle-même ? Pourtant, une voix exaspérante dans sa tête lui disait que cela pouvait être le cas. Aussi avait-il l'impression que la raison qui l'avait poussé à lui dire tout cela était essentiellement liée à un sentiment de culpabilité et aussi à un besoin de parler à quelqu'un, à un ami. L'ennui, c'est qu'il semblait s'appuyer sur la personne même qu'il mettait en danger, ce qui ne pouvait que décupler son sentiment de culpabilité. Tout cela était très perturbant et abscon, et essayer de démêler le vrai du faux l'épuisait encore plus. Aussi, quand il finit de parler, fut-il heureux de se reposer et de la laisser réfléchir un moment. Étrangement, elle accepta tout ce qu'il avait dit, quasiment comme si cela allait de soi. En fait, son soulagement était manifeste, et elle entreprit immédiatement de lui expliquer la raison. « Harry, je sais que je ne suis pas aussi intelligente que toi, mais je ne suis pas stupide non plus. J'ai su qu'il se préparait quelque chose depuis le jour où tu m'as parlé de ton histoire, celle du nécroscope. J'ai plus ou moins senti que tu ne l'avais pas terminé, que tu voulais en dire plus, que tu n'osais. Et puis, plusieurs fois à Arden, M. Anant m'a arrêté pour me demander de tes nouvelles. » À sa façon de parler, j'ai compris que lui aussi pensait qu'il y avait quelque chose d'étrange à ton sujet. Anand ? Mais qu'est-ce qu'il a demandé ? Oh, rien d'important. En fait, je crois qu'il a très peur de toi. Je t'ai aussi entendu parler à ta pauvre maman défunte pendant ton sommeil, et j'ai compris que tu avais de vraies conversations avec elle. Et tant d'autres choses. Tes nouvelles, par exemple. Enfin, comment étais-tu devenu brusquement un auteur si doué ? Je les ai lues, Harry, et elles ne te ressemblent pas du tout. Ce sont de merveilleuses nouvelles, d'accord, mais toi, tu n'as rien de merveilleux, pas le vrai toi. Le vrai toi est ordinaire, Harry. Je t'aime, bien sûr que je t'aime, mais on ne m'abuse pas si facilement. Et ta natation, ton patinage sur glace, ton judo, tu as pensé que je te prendrais pour un surhomme ? Je te garantis que c'est bien plus facile de croire que tu es un nécroscope. C'est un soulagement de connaître la vérité, Harry. Je suis heureuse que tu aies fini par tout me dire. Harry secoua la tête. Abasourdi. Pour une personne pondérée, elle était surprenante. Mais je ne t'ai pas tout dit, ma chérie. Oh, je le sais bien. Puisque tu vas travailler pour ton pays, il y a de toute évidence des choses dont tu ne devras parler à personne, même pas à moi. Je comprends parfaitement, Harry. Ce fut comme si on venait d'ôter un poids énorme de sa poitrine. Il respira profondément, s'allongea de nouveau et laissa sa tête se poser sur l'oreiller. Brenda... Je suis encore très fatigué. Sois un amour et laisse-moi dormir maintenant. Demain, je dois aller à Londres. Entendu, mon chéri. Et ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de m'en parler. Harry dormit toute la journée jusqu'au soir, puis il se leva et prit un repas. Ils sortirent vers 20h et se promenèrent pendant une heure dans l'air vif de la nuit jusqu'à ce que Brenda commença à avoir froid. Ils rentrèrent, prirent une douche chaude et firent l'amour. Ensuite, tous deux dormirent jusqu'au matin. Harry se dit que cela avait été la journée la plus désœuvrée de toute sa vie. Plus tard, il aurait des raisons de s'en souvenir comme de la journée la plus inutile qu'il ait jamais vécue. Sir Kenan Gormley était pensif quand il quitta le quartier général du service ESP. Il prit l'ascenseur jusqu'au minuscule vestibule et sortit dans la nuit froide de Londres. Tout récemment, plusieurs faits lui avaient donné des motifs d'inquiétude, et le cas de Harry Keough tout particulièrement. Car celui-ci ne l'avait toujours pas contacté, et tandis que les jours passaient, Gormley sentait le temps peser sur lui comme une masse de plomb. Il était un peu plus de 21h. Il remontait les rues dans la direction de la station de métro de Westminster, tandis qu'à 300 km de là, Harry Keough faisait l'amour à sa femme avant de se préparer à une nuit de sommeil. Quant aux autres motifs de préoccupation de Gormley, il y en avait deux. Le premier était la façon dont son second s'informait régulièrement de sa santé, ce qui aurait pu paraître stupide, si l'homme en question n'avait pas été Alec Kyle, lequel était un voyant très doué, capable de prédire l'avenir. Kyle se faisait du souci pour son patron depuis la semaine dernière, voire une dizaine de jours. Cela avait été tout à fait évident, malgré ses efforts pour essayer de le cacher. S'il y avait quelque chose de précis, Gormley savait que Kyle le lui dirait. Aussi, ne l'avait-il pas pressé de questions. Néanmoins, c'était préoccupant. L'autre chose, plus importante encore, était qu'au cours de ces 6 ou 7 dernières semaines, Gormley avait senti à une douzaine de reprises qu'il y avait des ESPR à proximité. Il les avait dénichés, mentalement,
Ils ne s'étaient jamais trouvés face à face avec l'un d'eux, n'avaient jamais été à même d'en coincer un, mais ils savaient néanmoins qu'ils étaient là, et qu'ils étaient au moins deux. Il les avait identifiés presque aussi facilement que ses propres hommes, mais ceux-là n'étaient pas ses hommes. Leur aura était différente. Et il l'observait depuis la sécurité d'une foule dans des endroits très fréquentés, de sorte qu'il ne pouvait jamais vraiment mettre un visage sur cette sensation. Il se demandait pendant combien de temps il allait continuer à l'observer, et c'était tout ce qu'il ferait. Comme il arrivait à la station de métro et descendait vers le quai, il tapota la bosse que faisait son Browning 9mm à travers son pardessus et sa veste. Au moins était-ce un réconfort. Il n'y avait pas un seul ESPR dans le monde qui pouvait se croire à l'abri d'une balle. Pas à la connaissance de Gormley, en tout cas. Il y avait très peu de personnes sur le quai et encore moins dans le compartiment où Gormley s'installa, prenant un exemplaire du Daily Mail laissé sur une banquette pour lui tenir compagnie durant le trajet. Il trouva quelque peu alarmant que les gros titres lui soient à ce point étrangers. Était-il réellement si déconnecté du monde réel ? Oui, il l'était probablement. Son travail lui demandait beaucoup d'efforts et lui prenait tout son temps. C'était la troisième nuit d'affilée qu'il travaillait jusqu'à une heure tardive. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait eu la possibilité de lire un livre en entier ou de recevoir des amis. Kyle avait peut-être raison de s'inquiéter à son sujet, et ce sur un plan purement personnel, non en tant que ESPR. Il était peut-être temps pour lui de faire une pause et de laisser son second tenir la boutique. Dieu seul savait quand il devrait s'y résoudre. Il se fit la promesse de faire une pause, dès qu'il aurait présenté le jeune Harry Keough à l'équipe. Keough. Gormley avait beaucoup pensé à lui. Il avait envisagé diverses manières d'utiliser son don, des manières fantastiques, purement hypothétiques pour le moment mais fascinantes néanmoins. Il allait devoir les examiner de nouveau, mais juste comme cette pensée lui traversait l'esprit, le métro arriva à St. James, et Gormley fut distrait par la magnifique paire de jambes d'une jeune fille en mini-jupe qui passait directement devant ses yeux et franchissait la portière pour descendre sur le quai. C'était un vrai miracle que cette adorable créature ne soit pas morte de froid. Ça aurait été une sacrée perte. Gormley sourit à ses propres pensées. Son épouse, Dieu la bénisse, se plaignait toujours parce qu'il regardait les jeunes filles. D'accord, son cœur était peut-être fragile, mais tout le reste semblait en parfait état de fonctionnement. S'il avait eu 30 ans de moins, il ne se serait pas contenté de regarder cette jeune femme. Il toussa bruyamment, se replongea dans la lecture de son journal et essaya de se remettre au courant des affaires du monde. Un effort louable, mais son intérêt disparut à la moitié de la seconde colonne. Tout cela était très banal, en fin de compte, en comparaison de son monde à lui. Un monde de voyants, de télépathes, et maintenant, un nécroscope. Harry Keough envahit de nouveau ses pensées. Gormley jouait à un jeu avec Kyle. C'était un jeu d'association de mots. Parfois, cela mettait l'esprit de Kyle tourné vers l'avenir en action, et lui ouvrait une fenêtre. Une fenêtre sur demain. Normalement, le don de Kyle fonctionnait indépendamment d'une pensée consciente. Habituellement, il rêvait ses prédictions. S'il essayait d'obtenir des résultats de manière consciente, cela ne marchait pas. Mais si on parvenait à le prendre au dépourvu ? Ils avaient joué à ce jeu quelques jours auparavant. Gormley pensait à Keough quand il était entré dans le bureau de Kyle. Apercevant le ESPR assis là, il avait souri et dit « Une petite partie ? Allez-y. C'est un non. Je suis prêt. » Gormley fit quelques pas, puis se retourna brusquement vers lui. « Harry Keough. Mobius. Matt. Espace-temps. » Kyle était devenu blême. L'air effrayait. Et Gormley avait compris qu'il tenait quelque chose. Il lança une nouvelle fois. « Nécroscope. Nécromancien. »« Quoi ? Nécromancien ?» avait répété Gormley. Mais l'esprit de Kyle continuait à fonctionner. « Vampire. Vampire !» s'était-il alors exclamé en se levant d'un bond. Puis il chancela, trembla et secoua la tête. « C'est tout, monsieur. Quoi que cela ait pu être, c'est parti maintenant. » Et le jeu s'était arrêté là. Gormley se focalisa de nouveau sur le présent. Il leva les yeux et s'aperçut que l'arrêt Victoria était déjà passé et que le compartiment était presque vide. Il ne restait plus que la moitié du chemin jusqu'à Sloane Square. Et ce fut à ce moment-là qu'il commença à sentir une étrange dépression le gagner. Il percevait que quelque chose n'allait pas, mais il était incapable de savoir de quoi il s'agissait exactement. Peut-être était-ce tout simplement le compartiment en désert et le fait que l'animation de la vie et le contact avec d'autres humains lui manquaient. Non. En fait, il n'en pensait rien. Puis comme le métro s'arrêtait à la station, il comprit. C'était son don qui fonctionnait. Les portières s'ouvrirent dans un soupir.
Un couple entre deux âges descendit et Gormley resta entièrement seul. Et juste avant que les portières se referment dans un sifflement, deux hommes montèrent, et leur aura ESP le submergea comme une vague d'eau glacée. Maintenant, il était à même de mettre des visages sur ses sensations. Dragozani et Batou s'assirent directement en face de leur proie, le regardèrent fixement, le visage froid et impassible. Il trouva qu'il formait un couple étrange, incompatible à tout égard, extérieurement en tout cas. Le plus grand des deux se pencha en avant et ses yeux enfoncés rappelèrent à Gormley Harry Keough une fois encore. Oui, il ressemblait aux yeux de Keough d'une certaine façon, probablement du fait de leur couleur et de leur intelligence. Et c'était très étrange, car avec un tel visage, on avait le sentiment que, en toute logique, ils auraient dû être féroces ou même rouges. L'intelligence qui se lisait en eux semblait à peine humaine, évoquant plutôt celle d'un animal. « Vous savez qui nous sommes, Sir Keenan ?» dit l'inconnu d'une voix sombre, sans essayer de dissimuler son accent russe. « Et nous savons ce que vous êtes et qui vous êtes. Par conséquent, ce serait vraiment puéril de faire comme si nous ne nous connaissions pas. N'êtes-vous pas de cet avis ?»« Votre logique est irréfutable. » »« Alors, continuons à être logiques. Si nous avions voulu vous tuer, vous seriez déjà mort. Nous en avons eu l'occasion plusieurs fois, comme je suis sûr que vous le savez. » Donc, quand nous descendrons à South Kensington, vous n'essayerez pas de vous enfuir, ou de faire des histoires, ni d'attirer inutilement l'attention sur vous-même ou sur nous. Dans le cas contraire, nous serions obligés de vous tuer, ce qui serait regrettable et ne profiterait à personne. Vous avez compris? Vous êtes très sûr de vous, monsieur... Dragozani. Boris... Dragozani. Oui, je suis très sûr de moi, comme l'est mon ami, Max Batou. Pour un étranger dans ce pays, m'apprêtais-je à dire. Il me semble que je suis sur le point d'être kidnappé, mais êtes-vous sûr de savoir tout ce qu'il est nécessaire de connaître sur mes habitudes? Peut-être avez-vous négligé quelque chose que votre logique n'a pas pris en compte. Rapidement, nerveusement, il sortit un briquet de la poche droite de son pardessus, le posa sur ses genoux, puis tapota ses poches comme il cherchait un paquet de cigarettes. Finalement, il commença à glisser la main entre les pans de son pardessus. « Non !» l'avertit Dragozani. Comme surgi de nulle part, il sortit son arme, l'atteint devant lui et la pointa directement sur le visage de Gormley. Celui-ci regarda fixement le canon rayé du silencieux, trapu et noir. « Non, nous n'avons rien négligé. Max, vous voulez bien vous en charger ?» Batou se leva, s'assit sur le siège à côté de Gormley, écarta lentement sa main de son pardessus et ôta le Browning de ses doigts tremblants. Le cran de sûreté était toujours en place. Batou éjecta le chargeur, le mit dans sa poche et rendit l'automatique à Gormley. « Comme vous pouvez le constater, nous n'avons absolument rien négligé. Toutefois, sachez que nous ne tolérerons aucune autre imprudence de ce genre. » Il rangea son pistolet et entrecroisa ses doigts fuselés sur ses genoux. La posture n'était pas naturelle, très souple, presque féline, quasiment féminine. Il ne savait absolument pas quoi penser de Dragozani. Tout autre acte héroïque signera votre mort immédiate. Gormley comprit qu'il ne bluffait pas. Il rangea précautionneusement l'automatique inutile dans son étui et demanda. Que voulez-vous de moi? Nous voulons vous parler. Je désire vous poser quelques questions. On m'a déjà posé des questions. J'imagine que ce sera un interrogatoire très poussé, hein? Ah, fit Dragozani. À présent, il souriait, et c'était un sourire horrible. Gormley éprouva une aversion physique. La bouche de l'homme était ouverte, semblable à un chien qui haletait, et de longues dents luisaient dans un éclat blanc. Oh non! On ne vous braquera pas de lumière vive dans les yeux, Sir Keenan, si c'est ce que vous voulez dire. Pas de drogue, pas de tenaille, pas de tuyau pour remplir l'eau dans votre estomac. Oh, rien de ce genre. Mais vous me direz tout ce que je désire savoir, je peux vous l'assurer. Le métro ralentit comme il arrivait à South Kensington. Le cœur de Gormley fit un léger bond dans sa poitrine, si près de chez lui et pourtant si loin.
Dragozani avait un pardessus léger posé sur son bras. Il montra à Gormley le silencieux de son arme, le laissa dépasser un instant des pans de son pardessus et lui rappela. « Pas d'acte héroïque. » Il y avait quelques personnes sur le quai, des jeunes principalement, et deux clochards avec une bouteille dans un sac en papier froissé devant eux. Même si Gormley cherchait de l'aide, il n'en trouverait pas beaucoup ici. « Sortiez de la station par le même chemin que vous preniez tous les soirs. » Son cœur battait la chamade à présent. Il savait parfaitement que s'il allait avec ses hommes, c'en était fait de lui. Il avait plus d'expérience dans ce domaine que les deux agents étrangers. Quand Dragozani lui avait dit son nom et celui de son petit compagnon trapu, il aurait aussi bien pu dire « Cela ne vous servira à rien, car vous ne le raconterez à personne. » C'est pourquoi il devait leur fausser compagnie. Mais comment ? Ils sortirent de la station et se retrouvèrent devant Pelham Street, commencèrent à emprunter Brompton Road vers Queensgate. « Je traverse toujours ici, au feu. » Mais comme ils arrivaient au couloir de stationnement qui chevauchait le terre-plein central, la prise de Dragozani se durcit sur son bras. « Nous avons une voiture qui nous attend. » Il entraîna Gormley vers la droite, le long de la file de véhicules garés, et se dirigea vers une Ford d'aspect anonyme. Dragozani avait acheté la voiture d'occasion. Une occasion pour qui, s'était-il demandé, qu'il avait payé en liquide. Discrétion assurée, elle durerait le temps de leur séjour ici. Ensuite, on la retrouverait calcinée dans une ruelle de banlieue. Mais ce fut à ce moment-là, comme il s'approchait de la voiture, que Gormley vit une ouverture. Moins de 25 mètres plus loin, une voiture de patrouille se gara sur un emplacement inoccupé et un policier en uniforme en descendit et entreprit de vérifier les portières des voitures garées. Une vérification de routine, se dit Gormley, mais en ce qui le concernait, c'était un miracle. Dragozani perçut la soudaine tension qui avait envahi l'anglais et pressentit son intention avant même qu'il puisse la mettre à exécution. Batou, qui avait ouvert le porte-côtier conducteur ainsi que les portières arrière de la Ford, se tournait vers Dragozani et Gormley quand son coéquipier dit d'une voix sifflante « Maintenant, Max !» Bien que non préparé, Batou adopta immédiatement sa position de tueur et son visage lunaire subit sa monstrueuse métamorphose. Dragozani maintint sa prise sur son prisonnier et détourna la tête au dernier moment. Gormley avait ouvert la bouche pour appeler à l'aide, mais le seul son qui en sortit fut un croassement. Il voyait le visage de Batou se découper dans l'obscurité. Il distinguait un œil qui n'était plus qu'une fente jaune, tandis que l'autre était rond et palpitait comme s'il était rempli d'un pus jaunâtre qui suintait. Quelque chose passa de ce visage à Gormley aussi vite qu'un coup de couteau mental. La lame effilée localisa son esprit, son âme même, et l'ouvrit en deux. À part quelques voitures qui passaient dans la rue, tout était calme. Pourtant, Gormley entendait les coups de gong cacophoniques d'une grande cloche fêlée au plus profond de lui-même. Et il comprit que c'était son cœur. Cela aurait dû être la fin, mais il n'en fut rien. Projeté en arrière par l'impact du pouvoir terrifiant de Batou, Gormley heurta bruyamment l'aile d'une voiture garée derrière la Ford. Un peu plus loin, le policier regarda d'un air interrogateur dans leur direction, tandis qu'un second policier sortait de la voiture de patrouille. Pire, un crissement de frein, ses phares aveuglants, inondèrent les trois silhouettes de lumière et les clouèrent sur place dans l'obscurité. Un instant plus tard, un jeune homme élancé sortit en tromble du véhicule et se précipita dans la rue, le visage inquiet comme il empoignait Gormley pour le soutenir. « Mon oncle ? Mon oncle ? Mon Dieu, ça doit être son cœur !» Déjà, les deux policiers accouraient pour voir ce qui se passait. Dragozani s'aperçut qu'il était presque paralysé par ce changement de situation. Tout allait de travers. Il fit un effort pour se contrôler, chuchota à Max Batou de monter dans la voiture, puis il se tourna vers l'inconnu. Les policiers étaient arrivés et proposaient leur aide. Dragozani réfléchit rapidement. Nous l'avons vu trébucher. J'ai pensé qu'il était peut-être ivre. En tout cas, je me suis approché et lui ai demandé si je pouvais l'aider. Il a dit quelque chose au sujet de son cœur. Je m'apprêtais à le conduire à l'hôpital quand ce jeune homme est arrivé et... Je suis Arthur Banks. Cet homme est Sir Kenan Gormley, mon oncle. J'ai allé le chercher à la station de métro quand je l'ai aperçu avec ces deux hommes. Mais écoutez, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour des explications. Il est cardiaque. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. L'un des policiers aida Banks à installer son oncle dans la Porsche, tandis que le chauffeur retournait en courant vers la voiture de patrouille et actionnait le gyrophare. Avec une sorte d'incrédulité transie, Dragozani observa les deux voitures s'éloigner. Il les regarda disparaître, puis lentement, d'un pas mal assuré, monta dans la Ford et s'assit à côté de Batou en tremblant de rage. La portière était toujours ouverte. Finalement, ayant saisi la poignée, il la claqua si violemment qu'elle faillit sortir de ses charnières. « Eh merde ! Que le diable les emporte tous ces Anglais ! Gormley, son neveu, les putains de policiers si polis qu'ils aillent griller en enfer. Cela se passe plutôt mal.
Et vous aussi, allez au diable. Vous et votre putain de mauvais œil, vous ne l'avez même pas tué. Je connais mon boulot. Je l'ai tué, sans doute. Je l'ai senti. C'était comme si j'écrasais un insecte. Je l'ai vu qui me regardait, je vous dis. Il va parler. Non, il n'aura pas la force de parler. C'est un homme mort, camarade, croyez-moi. En ce moment même, la vie le quitte. Dans la Porsche, Gormley suffoqua en lâchant un seul mot. Dragozani. Ce qui ne signifie absolument rien pour son neveu horrifié. Puis il s'affaissa sur la banquette, de la salive s'écoulant du coin de sa bouche. Max Batou avait raison. Il était mort quand ils arrivèrent à l'hôpital. Le jour suivant, Harry Keough arriva à la maison de Gormley dans South Kensington vers 15h. Entre-temps, Arthur Banks avait été un homme très occupé. Il avait l'impression que cela faisait un an, bien que ce soit seulement la veille, qu'il était venu de Chichester avec sa femme, la fille de Gormley, pour une visite éclair. Puis il y avait eu la crise cardiaque de son oncle, et depuis lors, le monde entier semblait être devenu complètement, horriblement fou. Tout d'abord, il y avait eu ce moment affreux lorsqu'il avait téléphoné depuis l'hôpital à sa tante, Jacqueline Gormley, pour lui annoncer ce qui était arrivé. Ensuite, la crise de nerfs de celle-ci à son arrivée à l'hôpital, et sa fille la réconfortant durant cette longue nuit, le cœur brisé de voir sa mère errer de pièce en pièce à la recherche de son mari. Ce matin, elle était restée à la maison jusqu'à ce qu'on ramène Sir Kinan de la morgue de l'hôpital. L'entrepreneur de pompes funèbres avait fait du bon travail, mais le visage du vieil homme était toujours déformé par un affreux rictus. Les dispositions pour l'enterrement furent prises immédiatement, car Gormley avait toujours dit qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Une incinération était prévue pour le lendemain, et d'ici là son corps serait exposé dans sa demeure. Cependant, Jackie ne pouvait pas rester à côté de lui, pas alors qu'il avait cette expression. Cela ne lui ressemblait pas du tout, et il avait fallu la conduire chez son frère à l'autre bout de Londres. Cela aussi avait été le travail de Banks. Pour finir, il avait conduit sa femme à la gare de Waterloo pour qu'elle puisse rentrer à Chichester et s'occuper des enfants. Elle reviendrait pour l'enterrement. En attendant, lui était coincé à la maison, seul, ou plutôt en compagnie de son défunt oncle. Tante Jackie lui avait fait promettre de rester aux côtés de Sir Kinan, et bien sûr il n'avait pas pu lui refuser cela. Et quand il rentra à la maison après avoir mis sa femme dans le train de Chichester, cela avait été le pire de tout. Cela avait été démentiel, macabre, incroyable. Et bien que cela se soit passé un quart d'heure plus tôt, il continuait à tituber, avait toujours des nausées, encore sous le choc et rempli d'horreur, quand le coup de sonnette de Harry Keough le fit se diriger en chancelant vers la porte d'entrée. « Je suis Harry Keough. Sir Kinan Gormley m'a demandé de venir le voir. Aidez-moi. Mon Dieu Seigneur, qui que vous soyez, aidez-moi. » Harry le regarda avec stupeur et l'empoigna pour l'empêcher de tomber. « Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? C'est bien la maison de Sir Kinan Gormley, n'est-ce pas ?» Banks acquiesça. Son teint devenait peu à peu verdâtre, de toute évidence. Il était de nouveau sur le point de vomir. « Entrez. Il est là-bas, dans le salon, dans ce foutu salon, mais n'entrez pas. Je dois prévenir la police. Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Ses jambes commençaient à fléchir et Harry crut qu'il allait tomber. Avant que Banks se retrouve par terre, il le poussa en arrière et le fit s'asseoir sur une chaise dans le vestibule. Puis il s'accroupit près de lui et le secoua. « Est-ce Sir Kinan? Que lui est-il arrivé ?» Avant même d'obtenir une réponse, Harry sut. Mourra bientôt dans d'atroces souffrances. D'abord et avant tout, un patriote. Banks leva la tête et regarda Harry, le visage verdâtre. Est-ce que vous travaillez pour lui? J'allais le faire. Banks se redressa, se leva d'un bond et se dirigea d'un pas mal assuré vers une petite pièce sur un côté du vestibule. Il est mort la nuit dernière, une crise cardiaque. Il devait être incinéré demain, mais maintenant... Il ouvrit la porte violemment, et une odeur de vomi récent s'échappa de la petite pièce. C'était les toilettes, et il était évident que Banks les avait déjà utilisées. Harry détourna la tête, aspira une goulée d'air frais depuis la porte d'entrée encore ouverte, avant de la refermer doucement. Puis il laissa Banks soulager son estomac et alla dans le salon, où il vit par lui-même ce qui avait mis Banks dans cet état. Et surtout dans quel état avait été mis Sir Kinan Gormley. Une attaque, avait dit Banks. Un simple coup d'œil dans la pièce apprit à Harry qu'il y avait bien plus qu'une attaque. Mais de quelle sorte, ça, il ne pouvait même pas y penser.
Il refoula la bile qui était remontée aussitôt dans sa gorge et menaçait de le submerger et retourna auprès de Banks. Ce dernier était fébrilement accroupi devant la cuvette des toilettes. « Prévenez la police quand vous le pourrez. Appelez également le bureau de Serkinan au cas où quelqu'un serait de permanence là-bas. Je suis sûr qu'il aurait voulu qu'il soit informé de ceci. Je vais rester avec vous, avec lui, un petit moment. Merci. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus utile pour le moment. Mais quand je suis entré et que je l'ai trouvé comme ça... Je comprends. Je comprends. » Harry retourna dans l'autre pièce. Il observa tout, commença à faire l'inventaire de ce qu'il voyait, puis il s'arrêta. Une chose le troublait. Un fauteuil d'époque au pied de Griffon avait été renversé et reposé sur le sol en appui sur le côté. L'un de ses pieds avait été brisé, juste sous le siège. Il y avait une dent incrustée dans le pied, semblable à un gourdin. D'autres dents, arrachées, étaient éparpillées sur le sol. La bouche du cadavre avait été ouverte, de force, et ressemblait à présent à un puits sombre au milieu du visage, au rictus figé, horriblement déformé, de Kinan Gormley. Harry tâtonna à la recherche d'un siège, trouva un autre fauteuil sans débris humain, celui-là, et s'affala dedans. Il ferma les yeux, se représenta la pièce telle qu'elle aurait dû être avant ce carnage. Sœur Kinan dans son cercueil, sur une table en chêne drapée de noir, des bougies exhalant un parfum de rose allumé à la tête et au pied du cercueil. Et ensuite, alors qu'il reposait ici, seul, l'intrusion. Mais pourquoi ? Pourquoi, Kinan ? Non. Non, n'approchez pas, fut la réponse qui lui parvint immédiatement. Harry fut projeté en arrière dans son fauteuil du fait de la force, de la peur, de la terreur glaçante qu'il avait sentie dans la voix du mort. « Dragozani, espèce de monstre, arrêtez, pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi. »« Dragozani. » »« Ce n'est pas Dragozani, Kinan, c'est moi, Harry Keough. » »« Quoi ?»« Keough. » »« Harry ?»« Dieu merci, c'est vous, Harry, et pas lui. » C'était Dragozani. Mais pourquoi est-il fou? Il doit l'être, complètement. Non. Oh, il est cinglé, bien sûr qu'il l'est. Mais c'est un renard. Son ton est hideux. Soudainement, la réponse, ou ce qu'il pensait être la réponse, apparut à Harry en un éclair. Il sentit son sang se glacer en lui. Il est venu vous voir après votre mort. C'est un nécroscope comme moi. « Non, absolument pas. Il n'est pas du tout comme vous, Harry. Je vous parle parce que je le veux bien. Nous vous parlons tous. Vous êtes porteur de chaleur, de paix. Vous êtes le lien avec le rêve qui existait avant et qui désormais s'est éteint. Vous représentez une chance, la dernière chance, que quelque chose qui vaille la peine d'être perdu se poursuive. Une lumière dans les ténèbres, Harry. Voilà ce que vous êtes. » Mais Dragozani, quel est son don? C'est un nécromancien. C'est une chose tout à fait différente. Harry entr'ouvrit les yeux et regarda une nouvelle fois l'état de la pièce. Mais comme l'horreur le submergeait de nouveau, il les referma. Mais ceci est l'œuvre d'une goule. C'est même pire. Il ne se contente pas de parler, Harry. Il ne pose pas de questions. Il n'essaye même pas. Il pénètre en vous et prend... Il vole. On ne peut rien lui cacher. Il trouve ses réponses dans votre sang, vos entrailles, la moelle de vos os. Les morts ne ressentent pas la douleur, Harry, ou ne le devraient pas. Et cela fait également partie de son don. Quand Boris Dragozani travaille, il nous le fait sentir. J'ai senti ses scalpels, ses mains, ses ongles qui me déchiraient. Je savais tout ce qu'il faisait et c'était un calvaire. Au bout d'une minute, je lui aurais tout dit... Mais ce n'est pas sa façon de faire. Ce n'est pas son art. Comment aurait-il pu être certain que je ne racontais pas de mensonges? Mais avec sa façon de faire, il sait que c'est la vérité. Elle est inscrite dans la peau et les muscles, dans les ligaments et les tendons, dans les globules. Il peut lire dans le liquide céphalo-rachidien, dans les mucosités des yeux et des oreilles, dans la texture même des tissus morts. Harry garda les yeux fermés et secoua la tête. Il se sentait pris de nausée, étourdi et totalement désorienté, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Finalement, il dit « Cela ne peut pas, ne doit pas se reproduire. Il faut l'arrêter.
Je dois l'arrêter, mais je ne peux pas le faire seul. Oh oui, il faut l'arrêter, Harry. Surtout maintenant. Vous comprenez, il a tout pris. Il sait tout. Il connaît nos forces, nos faiblesses, et il peut utiliser cette connaissance. Lui et son maître, Gregor Borowitz. Et vous pourrez bien être le seul en mesure de l'arrêter. Grâce à une autre partie de ses sens, Harry entendit Banks téléphoner dans le vestibule. Le temps était compté maintenant, et il y avait tant de choses que Gormley devait lui dire. « Écoutez, Kinnan, nous devons faire vite. Je vais rester avec vous un petit moment encore, ensuite je chercherai un hôtel en ville. Mais si je reste ici plus longtemps, la police voudra me parler. De toute façon, je dois me trouver à un endroit à partir de maintenant jusqu'à ce que... » Il réalisa ce qu'il faillit dire, et ravala ces mots. Non prononcés, mais visualisés. « Jusqu'à ce que je sois incinéré, oui. » Cela aurait dû se faire rapidement, mais maintenant, cela va probablement être reporté. Je resterai en contact. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Sur notre organisation, sur la leur, sur la façon de la débusquer. Beaucoup de choses. Vous savez, pour Bateau, le petit Mongol, Harry, est-ce que vous savez pour lui? Je sais qu'il est l'un d'eux, mais il a le mauvais œil, et il peut tuer d'un simple regard. Ma crise cardiaque, c'est lui qui l'a provoqué. Il m'a tué, Harry, Max Bateau. Son visage, ce mauvais œil. Il génère un poison mortel. Son pouvoir vous ronge comme de l'acide dissout le cerveau et le cœur. Il m'a tué, Harry. Alors je dois également m'occuper de lui. Mais soyez prudent. Je pense que les réponses sont en vous, mon garçon. Et Dieu sait combien je prie pour que vous puissiez les retrouver. Laissez-moi juste vous donner cet avertissement. Quand Dragozani était avec moi, j'ai perçu quelque chose d'autre en lui. Ce n'était pas simplement sa nécromancie. Harry, il y a un mal à l'intérieur de cet homme qui est plus ancien que le temps. Avec lui lâché dans le monde, rien ni personne n'est en sécurité, pas même ceux qui pensent le contrôler. Je me tiendrai sur mes gardes, et je trouverai les réponses, Kenan, toutes les réponses. Avec votre aide, aussi longtemps que vous pourrez m'apporter cette aide en tout cas. J'ai réfléchi à cela, Harry. Et vous savez, je ne pense pas que ce sera la fin. Je veux dire, ceci n'est pas moi. Ce que vous voyez ici a été moi. Ce fut moi. Un bébé né en Afrique du Sud, puis un jeune homme qui s'est engagé dans l'armée britannique à 17 ans. Et enfin le directeur du service E pendant 13 ans. Ils ont tous disparu maintenant. Et après mon incinération, cette partie disparaîtra également. Mais moi, je serai toujours là. Quelque part. Je l'espère. Trouvez-vous un hôtel et revenez vers moi dès que vous le pourrez. Plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. Et ensuite, enfin, quand tout cela sera terminé, si jamais cela se termine. Ce serait agréable si vous pouviez me rendre visite de temps en temps. Vous comprenez, sauf erreur de ma part, vous êtes le seul à être en mesure de le faire. Et vous serez toujours le bienvenu. Une heure plus tard, Harry s'enferma dans sa chambre d'hôtel bon marché et communiqua de nouveau avec Gormley. Comme toujours, étant donné qu'il avait déjà été en contact avec lui, ce fut très facile. L'ancien patron du service E l'attendait. Il avait réfléchi à ce qu'il devait lui dire et lui donna les informations par ordre de priorité. Il commença par le service E lui-même, une vue d'ensemble du service et des personnes qui y travaillaient, et poursuivit en expliquant pourquoi, à ce stade, Harry ne devait pas approcher le second de Gormley ni essayer d'entrer dans l'organisation. « Cela prendrait trop de temps. » Oh, il y aurait des avantages, bien sûr. Pour commencer, vous seriez pourvu de fonds. Toutes les dépenses nécessaires seraient couvertes. Mais en contrepartie, il faudrait tout savoir sur vous. Et naturellement, il serait impatient de tester votre don. Particulièrement maintenant que je suis mort et quand on apprendra ce que l'on a fait à mon cadavre. Vous pensez qu'on me soupçonnera? Quoi? Un nécroscope? Bien sûr qu'on vous soupçonnera. J'ai un dossier sur vous, certes, mais il est sommaire et très incomplet. Et en fait, je suis le seul qui aurait pu se porter garant pour vous. Alors, comme vous le voyez, le temps que les nôtres vous fournissent une accréditation, le camp adverse aurait pris une large avance. Le temps est essentiel, Harry, et on ne doit pas le gaspiller. Voici ce que je propose. Vous n'essayez pas de joindre le service E pour le moment, et vous travaillez en solo. Après tout, les seuls à avoir quelque chose sur vous en ce moment sont Dragozani et Batou. L'ennui, bien sûr, est que Dragozani sait tout sur vous, car il m'a volé ses renseignements. Ce que nous devons nous demander, c'est pourquoi Borowitz les a envoyés ici. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se prépare? Ou bien veut-il simplement étendre ses tentacules?
Oh, il a déjà eu des agents ici, bien sûr, mais il se contentait de recueillir des renseignements. Ils étaient nos ennemis et recherchaient des informations. Mais ce n'étaient pas des tueurs. Alors que s'est-il passé pour que Borowitz ait décidé de changer une guerre froide ESP en une guerre chaude ? Harry lui parla de Chouchkine, lui fit un bref compte-rendu des faits tels qu'il les avait vus et compris. Quand Gormley répondit, ses pensées étaient irritées. Ainsi, vous travaillez pour nous depuis quelque temps, apparemment. Quel dommage que je ne l'ai pas su quand je suis venu vous voir. Nous aurions pu faire ce boulot bien plus rapidement. Chouchkine vous semblait peut-être très important, Harry, mais en réalité, ce n'était que du menu fretin. Qui sait, nous aurions même pu le retourner. Je le voulais pour moi. Je voulais le détruire. De toute façon, j'ignorais qu'il y avait un lien. Je l'ai découvert seulement après l'avoir tué. Mais cette affaire est bel et bien terminée et maintenant nous devons continuer. Bon, vous voulez que je travaille en solo, mais c'est là la difficulté. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont on devient un agent. Je sais ce que je dois faire. Tuer Dragozani, Batou, Borowitz. C'est ma priorité, mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Gormley sembla comprendre son problème. C'est la différence entre espionnage et e-espionnage, Harry. Nous comprenons tous le premier. Les barbouzes, les coups fourrés, les ruelles sombres, c'est dépassé tout ça. Mais aucun de nous ne comprend vraiment le second. Vous faites ce que votre don vous dit de faire. Vous trouvez les meilleures façons de l'utiliser. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour certains d'entre nous, c'est facile. Nous n'avons pas un don suffisant pour nous en préoccuper. Nous ne pouvons pas l'étendre. Moi-même, par exemple, je suis capable de repérer un autre espère à plus d'un kilomètre de distance. Mais c'est tout. Dans votre cas, par contre... Harry commençait à se sentir frustré. Sa tâche semblait énorme, impossible. Il n'était qu'un homme avec un seul esprit, un don à peine arrivé à maturité. Que pouvait-il faire ? Gormley le tensa vertement. « Vous n'écoutez pas, Harry. J'ai dit que vous deviez trouver la meilleure façon d'utiliser votre don. » Jusque-là, vous ne l'avez pas fait. Regardez les choses en face. Qu'avez-vous accompli ? J'ai parlé aux morts. Voilà ce que j'ai fait. Je suis un nécroscope. Vous avez tout juste gratté la surface, Harry. Regardez, vous avez écrit des histoires qu'un mort n'avait pas pu terminer. Vous avez utilisé des formules qu'un mathématicien n'avait pas eu le temps de développer de son vivant. Des morts vous ont appris à conduire, à parler russe et allemand. Ils vous ont permis de faire des progrès en natation, au judo et dans une ou deux autres choses. Mais tout cela représente quoi, au juste, à votre avis ? Rien du tout. Exact. Rien du tout. Parce que vous vous êtes adressé aux mauvaises personnes. Vous avez laissé votre don vous guider au lieu que ce soit vous qui guidiez votre don. Bon, je sais que ce sont probablement de mauvais exemples, mais vous êtes comme un hypnotiseur qui pourrait seulement s'hypnotiser lui-même et personne d'autre, ou un voyant qui prédirait sa propre mort pour le lendemain. Vous avez un don exceptionnel, mais vous ne faites rien d'exceptionnel. L'ennui, c'est que vous êtes entièrement autodidacte. Et en un sens, vous ne savez rien, comme un barbare à un banquet. Vous empiffrez et ne savourez rien. Vous ne savez pas reconnaître ce qui est bon à cause de la façon dont c'est préparé. Même si j'ai raison, vous aviez la réponse au bout des doigts quand vous étiez enfant. Si ce n'est que votre cerveau d'enfant n'a pas été en mesure de voir les possibilités... Mais vous êtes un homme maintenant, et les possibilités devraient commencer à être évidentes. Pas évidentes pour moi, mais pour vous. Après tout, c'est votre don. Vous devez apprendre à utiliser de meilleures façons. C'est tout. Ce que Gormley disait était tout à fait logique, et Harry le savait. Mais par où commencer ? J'ai quelque chose qui pourrait être un indice pour vous. Le résultat d'un jeu ESP auquel je jouais souvent avec Alec Kyle, mon second... Je n'en avais pas parlé auparavant parce que cela me semblait sans importance, mais puisqu'il nous faut un point de départ. Allez-y. Avec son esprit, Gormley dessina une image mentale. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un ruban de Möbius. Du nom de son inventeur, Auguste Ferdinand Möbius, un mathématicien allemand. Il suffit de prendre une mince bande de papier, de la tordre à moitié et de joindre les deux extrémités. Cela réduit une surface à deux dimensions à une surface à une seule dimension. Le ruban de Möbius a de nombreuses applications, m'a-t-on dit, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles car je ne suis pas mathématicien. Harry était toujours décontenancé, non par le principe même, mais par sa portée. Et ceci est censé me concerner ? Cela concerne votre avenir. Votre avenir immédiat, peut-être. Je vous ai dit que c'était peut-être sans importance. En tout cas, je vais vous raconter ce qui s'est passé.
Il parla du jeu d'association de mots auquel il jouait avec Kyle. « D'abord, j'ai commencé par votre nom, Harry Kerf. Et Kyle a répondu « Mobius ». Ensuite, j'ai dit « Matt ». Et il a répondu « Espace-temps ».« Espace-temps ? » Cela pourrait très bien coller avec un truc du ruban de Mobius. Il me semble que le ruban n'est que la représentation de l'espace gauchi, et l'espace et le temps sont inextricablement liés. Oh. Et est-ce une pensée originale, Harry ? Ou bien avez-vous reçu une aide extérieure ? Attendez. Je ne connais pas votre Mobius, mais je connais quelqu'un d'autre. Il entra en contact avec James Gordon Anand, dans le cimetière de Harden, et lui montra le ruban. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Je suis allé dans une direction tout à fait différente. Je ne me suis jamais intéressé aux courbes de toute façon. Je veux dire par là que mes maths étaient... Ils avaient une application purement pratique. Mais vous le savez sûrement. Si on peut réaliser ce ruban avec du papier, je peux probablement le faire. Je suis plus visuel, si vous préférez, que Mobius. Beaucoup de ses concepts étaient des vues de l'esprit, abstraites et théoriques. Mais si lui et Einstein avaient pu travailler ensemble, alors là, nous aurions sans doute assisté à quelque chose de sensationnel. Mais je dois savoir pour ceci. Vous ne pouvez pas me suggérer quelque chose ? Anand perçut l'insistance de Harry, haussa un sourcil mental. À sa manière impassible et réfléchie, il répondit. La solution n'est-elle pas évidente, Harry ? Pourquoi ne pas interroger Mobius lui-même ? Après tout, vous êtes le seul en mesure de... Soudain surexcité, Harry revint vers Gormley. Bon, au moins je sais par où commencer. Quoi d'autre est sorti de votre jeu avec Alec Kyle ? Après qu'il a dit espace-temps, j'ai essayé nécroscope. Et il a immédiatement répondu « nécromancien ». Apparemment, il a lu votre avenir aussi bien que le mien. Je suppose que oui. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a désarçonné et qui me désarçonne encore maintenant. Enfin, même en supposant qu'il y a un lien entre vous et ce que nous venons de dire, que suis-je censé penser du mot « vampire » hein ? C'était comme si des doigts glacés s'étaient posés sur l'échine de Harry. Quoi, en effet ? Kinan, est-ce que nous pouvons en rester là ? Je vous recontacterai le plus tôt possible, mais pour le moment, j'ai une ou deux choses à faire. Je veux téléphoner à ma femme, trouver une bibliothèque de référence et vérifier plusieurs choses. Et je veux aller voir Mobius. Aussi, je vais probablement réserver une place dans un avion en partance pour l'Allemagne. Et puis, j'ai faim. Et je veux réfléchir à cela, seul, je veux dire. Je comprends, Harry. Et je serai prêt quand vous voudrez recommencer. Mais je vous en prie, pensez d'abord à vos propres besoins. Disons les choses clairement, ils sont nécessairement plus grands que les miens. Alors allez-y, mon garçon, occupez-vous des vivants. Les morts ont l'éternité devant eux. Il y a quelqu'un d'autre à qui je veux parler, mais c'est un secret pour le moment. Ne commettez pas d'imprudence, Harry. Vous avez dit que je devais agir en solo, faire les choses à ma manière. C'est exact, mon garçon. J'espère seulement que vous ferez pour le mieux. C'est tout. C'était un sentiment que Harry ne pouvait que partager. Plus tard, ce même soir, à l'ambassade russe, Dragozani et Batou avaient terminé de faire leurs bagages et attendaient avec impatience leur vol de retour, le matin suivant. Dragozani n'avait pas encore commencé à coucher sur le papier tout ce qu'il avait appris. L'ambassade était le dernier endroit pour le faire. Autant envoyer directement une lettre à Yuri Andropov lui-même. Les deux agents russes avaient des chambres communicantes et un seul téléphone, qui se trouvait dans celle de Batou. Le nécromancien venait de s'allonger sur son lit, perdu dans de sombres et étranges pensées, quand il entendit le téléphone sonner dans la chambre de son coéquipier. Un instant plus tard, le petit mongol trapu frappa à sa porte. Sa voix assourdie lui parvint à travers les minces panneaux de chêne tachés, en lui disant que l'appel était pour lui. Dragozani se leva et entra dans la chambre de Batou. Assis sur son lit, le mongol lui adressa un large sourire. « Eh bien, camarade, vous avez des amis ici à Londres. Quelqu'un semble en tout cas vous connaître. » Dragozani lui lança un regard furibond et s'empara du combiné. Le standard, ici Dragozani, de quoi s'agit-il ? Un appel pour vous, de l'extérieur, camarade. Ça m'étonnerait, vous faites certainement erreur, personne ne me connaît ici. Il dit que vous voudrez certainement lui parler. Son nom est Harry Kerf. Kerf ? Ah oui, oui, j'ai entendu parler de lui. Passez-le-moi. Très bien. N'oubliez pas, camarade. Parler est peu sûr. Il y eut un déclic, un bourdonnement, puis... Dragozani, c'est vous ? La voix était jeune,
mais étrangement dure. Elle ne correspondait pas tout à fait au visage émacié, presque absent que Dragozani avait vu le regarder d'un air hébété depuis la berge de la rivière gelée en Écosse. « C'est Dragozani, oui. Que voulez-vous, Harry Keof ? Je vous veux, nécromancien. Je vous veux et je vais venir vous chercher. » Dragozani retroussa ses lèvres sur ses dents pointues tel un loup qui s'apprête à pousser un grognement. Ce garçon était intelligent, audacieux, impétueux et dangereux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes fou de toute évidence. Expliquez-vous ou raccrochez. L'explication est simple, camarade. Je sais ce que vous avez fait à Sir Kinan Gormley. C'était mon ami. Œil pour œil, Dragozani, dent pour dent. C'est ma façon d'agir, comme vous avez déjà pu le constater. Vous êtes un homme mort. Oh, je suis un homme mort, vraiment. Mais vous aussi, vous savez y faire avec les morts, n'est-ce pas, Harry? Ce que vous avez vu chez Shushkin n'était rien, camarade. Vous ne savez pas tout. Même Gormley ignorait certaines choses. Vous bluffez, Harry. J'ai vu ce que vous êtes capable de faire et cela ne me fait pas peur. La mort est mon amie, elle me dit tout. C'est bien. Car vous allez lui parler de nouveau prochainement, mais face à face. Ainsi, vous savez ce que je suis capable de faire. Eh bien, réfléchissez à ceci. La prochaine fois, je vous le ferai subir. Un défi. Harry. La voix de Dragozani était dangereusement basse et se faisait menaçante. Un défi. Et le gagnant rafle tout. Le sang valaque de Dragozani bouillait. Il était impatient, maintenant. Mais où? Je suis déjà hors de votre atteinte. Et demain, il y aura la moitié d'un monde entre nous deux. Oh, je sais que vous vous enfuyez. Mais je vous trouverai, et très vite. Vous, Batou, Borovitz. De nouveau, Dragozani retroussa ses lèvres et émit un sifflement. Peut-être que nous nous rencontrerons, Harry. Mais où et comment? Vous le saurez en temps voulu. Et sachez également ceci. Ce sera pire pour vous que cela a été pour Gormley. Brusquement, la glace dans la voix de Keof sembla se répandre dans les veines de Dragozani. Il se secoua et se ressaisit. Entendu, Harry Keof. Quand et où vous voudrez, je vous attendrai. Et le gagnant rafle tout. Il y eut un léger déclic et la ligne coupée reprit son bourdonnement saccadé. Durant un long moment, Dragozani regarda fixement le combiné dans sa main puis le reposa violemment sur son socle. « Oh, je gagnerai, c'est évident. Et vous pouvez être sûr que je raflerai tout, Harry Keof. »